Un sommet Union européenne-Union africaine pour fonder une nouvelle alliance euro-africaine. Les 17 et 18 février prochains se tiendra à Bruxelles le 6e sommet Union européenne-Union africaine. Son objectif, refonder le partenariat avec le continent africain et renforcer la souveraineté de chacun des partenaires. Il s'agit d'une priorité de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Comme l'a souligné Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, l'Europe est le partenaire le plus fiable et le plus important de l'Afrique. L'Europe est ainsi le premier investisseur en Afrique, avec chaque année 20 milliards d'euros de subventions auxquelles s'ajoutent des prêts et des garanties. L'Europe est également le premier partenaire solidaire de l'Afrique, avec 128 millions de doses de vaccins contre la Covid livrées par l'Union européenne dans 43 pays africains, qui font de l'Union européenne son premier partenaire vaccinal. Nos deux continents ont intimement besoin l'un de l'autre. Trois défis partagés seront donc au cœur de ce sommet et du nouveau partenariat à bâtir. Tout d'abord, la prospérité. À travers son programme d'investissement Global Gateway, l'Union européenne consacrera plus de 150 milliards d'euros au programme Afrique-Europe pour financer de grands projets d'infrastructures stratégiques, mais aussi au bénéfice de l'industrie, de la santé, de la jeunesse et de l'éducation. Il s'agit de promouvoir ensemble une prospérité durable du continent. Et le sommet sera donc l'occasion de parler de finances durables, de transition énergétique, mais aussi d'agriculture durable, de transport et de numérique. Le deuxième défi, la sécurité. En matière de lutte contre le terrorisme, l'Union européenne et ses États membres développent des opérations, des missions de formation et des financements dédiés en soutien aux initiatives africaines de paix. Le troisième sont les mobilités. À travers le développement des échanges, notamment étudiants, mais aussi la lutte contre les réseaux de trafic de migrants et un effort accru en matière de retour et de réadmission. Le sommet UE-UA constitue donc une occasion unique de jeter les bases d'une nouvelle alliance entre les deux continents. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour suivre cet événement dans son intégralité.